Salam alaikum. Bonsoir. Quand on décide, nous, d'avoir quelque chose à dire, quelque chose à montrer, c'est l'heure. C'est pas l'heure du business, c'est pas l'heure de l'industrie qui compte. C'est notre heure. Ça pose tout un tas de problèmes pour résister à des pressions qui sont beaucoup plus insidieuses qu'autre chose. On vit pas dans des dictatures, nous. On vit dans des pressions insidieuses. C'est très différent. C'est très différent, mais pas plus facile de lutter, disons, contre. Nous, on prend du temps justement pour retrouver ce qui est à chaque fois la vraie nourriture intérieure. Il faut du temps. Il faut du temps pour ça. Il faut du temps, il ne faut pas toujours de la lumière, il faut de l'ombre. Il ne faut donc pas être toujours exposé d'une manière médiatique. Les médias, nous, on les laisse très 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 souvent de côté. Il faut... Et puis je te disais tout à l'heure, l'immersion. Il y a l'immersion. Et donc... Il y a un moment où on sait, du point de vue de la musique et de nous, notre entente entre nous, on sait que ce qui est remonté à la surface a une justesse. Ça a sa justesse. Ça ne prétend pas avoir défini la vérité du monde. Mais ça a sa justesse. Au moins, on peut être fier de ça. Et il faut en permanence, avoir la vigilance de ne pas perdre son temps à soi, son horloge, qui ne doit strictement rien à la reproduction, à la mécanique industrielle. L'humain se trouve ailleurs, toujours. Et l'industrie, il faut la mettre au pas, toujours, toujours. Il faut que ce soit, qu'elle soit, si elle peut servir des fois, que ce soit uniquement comme des roulettes. Nous, notre façon de respecter le public, ou les gens qui vont écouter ce qu'il y a à écouter, ce qu'on aura pu donner, notre façon de le respecter, c'est pas d'essayer de les atteindre exactement là où ils nous attendent, mais c'est d'essayer de leur donner quelque chose de vrai. Et je pense que s'ils nous respectent, c'est pour ça, et non pas parce qu'on essaye de les considérer comme des cochons payeurs, comme on dit, qui vont acheter le disque en tant que consommateur d'un truc tout fait. On doit se rencontrer.
Mais pour se rencontrer, il vaut mieux que nous, on ait été d'abord dans la position d'être libre, de faire ce qu'on veut. Et une fois qu'on a été libre de faire ce qu'on veut, et une fois qu'on a retrouvé en profondeur ce qu'on avait envie de faire, de dire, de donner comme musique, là, on peut rencontrer les gens. Et ceux qui veulent bien nous rencontrer. Je ne choisis pas les idées, et je crois qu'on ne choisit pas ce qu'on fait. Je ne peux pas dire exactement que je choisisse mes idées, puisque les idées qui restent, au fond, sont celles qui sont remontées le plus fort à la surface. C'est toute une histoire d'imprégnation, de gestation. Je prends beaucoup de temps pour le faire. C'est affreux d'ailleurs de voir combien de lignes ça fait pour combien d'années. C'est terrible. C'est très peu, mais c'est du concentré, j'espère. Parce que ça, le problème, c'est que ça lâche la guitare. Alors bon, on ne sait pas si ça tient le coup. C'est vachement bien, mais tu vois, la guitare, moi, c'est bien. Il n'y a pas de méthode, hein, pour, il n'y a pas de profonde méthode à part celle de l'immersion pour rester, je ne sais pas, honnête avec ce qu'on a à dire et ce qu'on a à faire. Je connais rien d'autre. On estime que on ne peut pas se contenter du succès tel qu'il est vécu, de l'image du succès, de la reconnaissance tel que c'est amené dans les sociétés occidentales en particulier, mais je crois partout dans le monde ça peut avoir ce défaut-là. C'est-à-dire, hop, on a une extraction, on est mis en avant et on est posé comme étant des exemples de réussite. Et on oublie tout le reste. C'est ce qui se passe. Et nous, on fait exactement l'inverse, on est tout le temps du contrepoint. Parce qu'on se... Si je peux nuancer le terme de devoir, c'est qu'on se sent jamais obligé, par exemple, d'introduire du politique dans un texte, ou d'introduire, dans notre démarche sur le moment, quelque chose d'ouvertement politique. Parce que là, si tu te sens obligé, ça devient... ça appauvrit tout, quand ça devient institutionnel. Donc il faut garder cette distance qui fait qu'on est d'abord libre de laisser remonter à la surface vraiment ce qui nous importe, y compris des choses complètement intimistes. Pas de mode d'emploi, de toute manière, les textes de Bertrand, tu les prends, tu vois ce que tu veux dedans, c'est ça qui est bien. Lui, il n'a jamais expliqué ses textes, même entre nous, c'est même entre lui, j'imagine, tu vois. Et c'est tant mieux comme ça, je veux dire, faut que ça reste libre et d'interprétation aussi, c'est essentiel. La voix, la phrase. Ah non, je sais pas. On fait ce qu'on a envie de faire.
c'est tout. Après, moi je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de gens qui pensent que, de jeunes en particulier, parce que pas des gens de notre âge et encore moins des plus vieux, qui pensent qu'on est un groupe super ringard et qu'on fait de la musique de vieux. Mais bien sûr que si, je pense que c'est vrai, pour certains. Et tant mieux. Attends, on déconne quand même. Pourquoi tant mieux? Bah, tant mieux, parce que c'est la diversité de, tu vois, de plein de choses qui fait que c'est bonheur. Choses, mais qui pensent que c'est un truc de vieux. Pourquoi tant mieux? Parce qu'en plus, c'est pas, vous êtes quand même éloigné du truc de base, quand même. Ouais, mais moi, j'ai déjà entendu ça et ça me fait marrer. Et je trouve ça plutôt sympa, en fait. Quoi. On est des rockers, paraît-il. Pareil, hein. Ouais, ouais. Puis il paraît que vous êtes les derniers en France, en plus. Puis les derniers en France, en plus. Ça fait un peu... Muséum d'histoire naturelle, on va avoir notre place bientôt. Voilà, mais ça m'intéresse pas, quoi, ce genre de choses. Ouais, enfin, ça touche oui. Quand même, quoi. Quand même, ouais, ça touche, mais j'ai tellement l'impression d'être... Moi, j'ai tendance à... Souvent, quand on me dit, vous êtes des rockers et tout ça, je fais non, avant d'être un rocker, je suis un musicien. C'est vrai que mon parcours, il vient du rock. Au début, je tournais avec des groupes en tant que technicien ou n'importe quoi, où j'écoutais du rock, vraiment. Ça... Moi, je viens de là, quoi. Enfin, c'est clair, je peux pas renier ça, et puis j'ai pas envie de le renier, parce que c'était ma formation. Maintenant, j'écoute aussi maintenant d'autres trucs que du rock, quoi. Tu vois, je me suis un peu... Il y a eu une ouverture. J'ai des amis au début, pour eux, j'ai trahi la cause. C'est terrible, quoi. Parce que maintenant, je peux écouter des trucs cubains ou africains, tu vois, et... Qu'est-ce que c'est que cet avion, quoi, c'est... Si c'est pas en mille assis, avec deux guitares, une basse, une batterie, que c'est pas très fort... Là, c'est tellement... tellement plus divers, le monde de toute façon il est tellement plus divers que ça, c'est tellement réducteur de penser comme ça que... C'est ça que j'ai le plus de mal, c'est... Dès qu'on essaie de coller une étiquette comme ça, c'est forcément une chapelle, c'est forcément réducteur et j'ai du mal avec ça. Bah écoute, on a traversé des périodes où le truc torturé, romantique, et bien sûr que c'est toujours un peu vrai aussi, mais était la seule image, ensuite ça a été hyper violent, juste l'énergie, juste... le groupe hyper physique, le groupe hyper... Alors un télo à un moment donné, ensuite exactement le contraire, enfin... Nous, ça nous fait marrer. Hein. Mais moi, je veux dire, je trouve la même chose dans Ali Farka Touré que dans le flamenco, que dans... Bien que ce soit totalement différent, que dans les Stooges, tu vois. Que dans... parce que ça en fait partie de la mythologie. Que dans Brel, que dans... Dans Ferré, encore plus. que dans des chants sioux, je sais pas comment te dire, ça c'est ça ma mythologie. Je me fous totalement des cases, des genres, de si c'est à la mode, de si ça l'est pas. Ça veut pas dire que je suis fermé aux tendances quand je sens qu'elles ont un sens ou une pertinence, tu vois, dans l'époque. Je ne suis pas enfermé dans une mythologie. À une époque, évidemment, on était plus dans le punk, post-punk, plus post-punk, la cold, etc. Parce qu'à un moment donné, quand tu es adolescent, tu es dans quelque chose de très marqué comme ça. Mais c'est qu'un élément parmi d'autres de ton évolution. C'est-à-dire qu'on additionne les choses, on ne perd rien. La mythologie, c'est l'enfance, premièrement. Alors tu vois, hein, ça commence par là et j'ai rien oublié de tout ça. J'ai pas l'intention d'oublier. Ça veut dire aussi que tes préoccupations... Je veux dire, on a nos traces profondes, je crois que je t'avais déjà dit ça, les traces profondes, les fidélités à des choses, mais ça ne veut pas dire être coincé quelque part. Et ça ne veut pas dire qu'on doit répondre exactement à ce que je ne sais quel conglomérat de gens, ou tu vois, décide pour toi. Non, la liberté, ce n'est pas ça. Et le cheminement de la pensée, ce n'est pas ça. Et le cheminement d'une vie, ce n'est pas ça. C'est les signes qui te sont envoyés, ou les signes que toi tu veux bien reconnaître, ou les portes qui s'ouvrent parce que tu as passé telle ou telle étape de pensée, de construction de toi-même. Et puis le hasard, qui n'en est pas un. Enfin, tout ça compte. Ton plaisir aussi se déplace. Tu n'as pas, les mêmes joies à 15 ans qu'à 30, pas forcément en tout cas, ou pas toujours, ou pas seulement. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et tout ce qui est possible d'envisager m'intéresse. Amener une pensée, amener des cartouches philosophiques, intellectuelles, humaines, à la vision du monde, à ta vision du monde, oui. Amener un dogme
quelque chose de fermé, c'est la catastrophe. Ça, c'est, d'ailleurs, ça se vérifie dans l'histoire. Le dogme, c'est la catastrophe. Par contre, affirmer des valeurs, oui, ça, c'est autre chose. Saurais-tu le faire ? Saurais-tu le dire ? Tu dois tout essayer, si tu dois devenir. Si tu dois voir plus loin, si tu dois revenir. Si tu garder en chemin, si tu verras le pire. Si tu trouver le sud, sans perdre le nord. Après l'incertitude, au-delà des bords. Sont vachement après nous, on est hyper sollicités, courtisés, tout ça. Et franchement, c'est, je suis désolé, mais c'est hyper pénible. Enfin, j'ai jamais fait ça pour ça, quoi. Donc, c'est pénible. J'adore les moments du concert. Ça, c'est top. C'est vraiment l'éclate. Puis tout ce qu'il y a autour, c'est autre chose, quand même. C'est assez épuisant. Même sur les prises de position aussi, c'est vrai qu'on vient quand même. Ouais. Quasiment systématiquement, en tout cas dans la scène musicale, les gens veulent organiser un truc machin, ils pensent à vous, il se passe un événement. Ouais, mais ça tant mieux. Si on peut servir à quelque chose, c'est bien. Tu vois, il y a des ça c'est bien. C'est bien parce qu'il faut quelque part qu'on soit un peu tous solidaires, les gens un peu de la même famille. Tu vois, on est quelques millions en France, mais faut pas tirer sur l'ambulance, tout ça, faut pas se tromper d'ennemis. On fait gaffe à ça dans le groupe. Et si on peut servir à quelque chose, tant mieux, putain, tant mieux. Si on peut être un tout petit peu un haut-parleur, bah tant mieux, quoi. Temps, ça, c'est bien. Quand même, parce que ça, ouais. Tu peux pas dire n'importe quoi. Bien sûr. Pas dire n'importe mais quoi. Ça, je l'accepte à fond. Autant, quoi, faut être un peu responsable de ce qu'on fait. Tu vois. C'est bien. Moi, à mon avis, il faut que tout le monde soit engagé à sa manière. Parce que quand quelqu'un, le boulanger du coin, il a une forme de générosité, son sourire ou son... sa façon d'être est généreuse, il est engagé. Il est déjà engagé. Après, les intellectuels, les artistes ont une sorte de... Ils ont, disons, la chance d'avoir le haut-parleur. Et s'ils ont conscience des choses et qu'ils ne s'en servent pas, ce sont des lâches. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a un décalage, parfois, entre votre public et les problèmes qui vous paraissent très sérieux ? Il y a un décalage, parfois, avec le public. Il y a un décalage, parfois, avec les médias. Il y a un décalage à l'intérieur du groupe. Le décalage, c'est la vie. Il y a tout le temps des décalages. Si tu t'arrêtes au fait qu'il y a un décalage, tu ne peux plus continuer. Si tu t'arrêtes au fait qu'il y a une instrumentalisation, si tu t'arrêtes au fait qu'il y a que dès qu'un mot est prononcé, il perd aussi de sa valeur, selon la philosophie indienne, presque, indienne d'Amérique, que dès que tu mets quelque chose dans la lumière, il a perdu de sa valeur. On sait ça. Mais alors comment on fait ? On s'enterre, on arrête tout. On sait aussi que dans les personnes qui franchissent la porte du concert, il y en a plein, ils sont là juste pour s'éclater. Il y en a, c'est pour draguer les filles. On va pas les en empêcher. Je comprends en plus. Ça fait partie de la vie. C'est une vie, c'est aussi un groupe de rock, c'est aussi un groupe juste pour le plaisir. Simplement, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas. Tu vois, au-dessus de mes forces que d'arrêter. Il y a des moments où il faut savoir prendre position, quoi. Et c'est pas parce que tu prends une position en faveur d'un truc que tu donnes la solution. Enfin, tu vois, c'est aussi. Moi, je pense que quand on prend des positions comme ça, c'est dire bon, ça va pas et tout. Mais après, on n'a pas forcément la vision de ce que ça peut devenir après. Et c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir, quoi. C'est le credo de tous les anti-mondialisations aussi en ce moment. Enfin, j'entendais Suzanne George il n'y a pas très longtemps dans une interview qui disait mais nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va pas en ce moment. Il faut changer les choses. Après, on ne sait pas ce qu'on va mettre à la place, on ne sait pas ce qu'on veut mettre à la place, mais le but n'est pas forcément toujours d'avoir
ce qui, tu vois, c'est pas parce que tu enlèves une brique qu'il faut que tu en aies une à mettre à la place aussi à un moment. Il faut que la brique, que tout le monde la construise. C'est que comme ça que ça marche. Autrement, ça s'appelle. C'est une attitude dictatoriale. C'est ça, ça va pas, on vire et puis on va remplacer par ce que nous on pense bien. Mais on est beaucoup de monde sur cette terre. Hein. Et chacun a des intérêts différents, des aspirations différentes. Donc voilà. Je pense que les contrepoids sont fondamentaux. Les contrepoids de la société civile. Et que les politiques ne pourront pas, si c'est fort, éviter de regarder par là. Et c'est comme ça, au moins, que ça doit se construire. Il faut créer les conditions des réponses et d'une forme de résistance, en fait, qui montre que non, tout ne va pas passer comme une lettre à la poste et sans réaction. Et puis ça veut dire aussi la prise en main de son propre destin, enfin, dans la mesure du possible. Et se remettre en question, c'est la base de tout. Je pense que ceux qui sont les soi-disant décideurs devraient le faire plus souvent. Pas, encore une fois, pas pour lâcher, pas pour devenir des inconstants, si tu veux, mais pour être en phase avec ce qui est la réalité de la vie, et la précarité de tout ça, d'ailleurs. C'est se remettre en question, c'est éviter le dogme, c'est...
c'est éviter les réponses toutes faites, c'est éviter les glissements vers la facilité, c'est créer des dynamiques qui commencent avant le concert et qui ne s'arrêtent pas après. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, toutes ces questions, ces réponses éventuelles, si on arrive à parfois en poser, et des expériences, et des termes d'expérience. Le contexte, quand vous avez commencé, le contexte politique de l'époque, c'était quoi? C'est 81, c'est l'élection de Mitterrand. Ouais. On sortait de ce brave Giscard d'Estaing. Moi, c'était la première fois que je votais, c'était mai 81. Moi, je suis d'avril 63. Donc, tu vois, j'ai pu voter pile poil. Là. Et bon, ouais, c'était aussi grand chambardement à ce niveau-là. C'était les radios libres, qui maintenant ne le sont plus du tout. Hein. C'était, tu vois, qui n'a pas passé une heure ou deux dans un studio radio avec des potes, à passer ses disques, à déconner, à pouvoir dire ce que tu voulais, ça c'était génial. Quoi. Et puis, on sortait aussi de toute la vague punk. Pour nous, ça a vraiment été un truc, tu vois. Il y a le côté musical qui était assez important, mais ce qui était surtout important, c'était la démarche. Tu pouvais monter sur scène sans savoir jouer vraiment. Sans être passé par une école, sans avoir fait du solfège, tu montais, tu prenais une guitare, une batterie, tu y allais. Et c'est un peu ce que les mômes font maintenant avec le rap. T'as un petit studio dans ta cuisine, t'as un micro, t'as ton pote qui fait des percus sur la table, t'en as un qui rappe au micro, et tu peux raconter ta vie, tes angoisses. Bon, mais là, c'est passé par le côté punk, où il y avait besoin aussi de balayer tout le côté dinosauresque qu'il y avait dans la musique. Avant la vague punk, il n'y avait que des gros concerts, que des grosses machines, que des trucs, tu vois, et puis les mômes, ils en avaient marre, quoi. C'est surtout une démarche qui, je pense, nous a plu, nous a aidé. Tu te dis, moi aussi, je peux le faire, quoi. Par contre, tu n'as jamais adhéré à un syndicat, une association, non. Un parti, jamais? Non, jamais. Il n'y a jamais quelque chose qui m'a plu ou qui a ressemblé à ce que je pensais au point d'y adhérer. Je pense, enfin, moi j'ai toujours le flip de pas être libre. J'ai toujours le flip de et alors que bon, je sais très bien que dans la vie t'es pas libre en général. T'as. Enfin, je sais que c'est une peur qu'on a dans le groupe aussi, c'est d'être récupéré, d'être orienté vers quelque chose qui te plaît pas. Donc moi, j'ai toujours eu un geste de recul au niveau de ce qui est parti politique, syndicat et tout ça. Quoi. Il y a un moment aussi où on a commencé à très bien vivre avec le groupe. Tu vois, t'es un privilégié. Alors, très vite, tu peux oublier de là où tu viens. Et très vite, tu peux être pareil. T'as des gens autour du groupe, enfin, pas l'entourage direct, mais l'entourage large, on va dire, qui te pousse aussi à vivre plus facilement. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu te fais chier, tu vois? Pourquoi tu vas faire ci, faire ça? Pourquoi tu vas revendiquer ci? Il dit, contente-toi de ce que tu as, te fais pas chier, quoi. T'as. Et c'est vrai que ça peut être tentant. Sauf qu'au bout d'un moment, moi, je suis désolé, on a des gamins, on a des familles, on a des amis, puis je veux pouvoir raser le bonhomme le matin quand je me lève, tu vois. Il y a des idées auquel je tiens, il y a des idées que je défendrai et j'espère que je ne me laisserai pas endormir. Voilà, j'espère, je ne garantis rien. La plupart du temps, quand on devient reconnu, on oublie le reste du monde. C'est comme ça que ça marche. Quand on prend l'ascenseur, on ne sait plus comment c'est en bas. Tout le monde est guetté par ce genre de problème. Nous, y compris. C'est le piège, intellectuel absolu, ça. Puisque toi, tu commences à être reconnu, t'as droit à la parole, puis tu te dis, non, je peux pas la prendre, parce que quelque part, moi j'ai de la chance, alors j'ai plus le droit de parler, en fait. Et là, tac, terminé, le monde est parfait, on bouge plus, on touche plus à rien. Et toutes les hiérarchies sont respectées. Et je me suis dit, non, c'est exactement le contraire. Et comme ça, tu continues. Mais encore une fois, je fais pas de la musique pour autre chose que pour la musique, en fait. Donc tout ce qu'il y a autour, souvent ça m'ennuie. Parce que on nous demande de nous exprimer,
justement en interview, par exemple, comme maintenant. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, justement, sans que ce soit en interview, par les textes, la musique. C'est mon moyen d'expression favori, disons, tu vois. Et... gamin, je fais de la guitare gamin, parce qu'il y avait que ça qui me plaisait vraiment. Le reste, je ne comprenais pas de toute manière où est-ce que j'étais, donc... au moins, là, je savais. Et je prenais du plaisir à faire ça. Et puis, bon, voilà, j'ai gardé ça. J'ai eu la chance de rencontrer mes potes. Je ne suis pas étranger à ce qui se passe sans les mots. Hein. Simplement, moi, j'aime les mots, mais je les préfère par écrit, ils sont plus vrais. J'aime parler parce que j'aime communiquer avec les gens, mais puis que je crois quand même que ça aide à plein de choses et qu'on a le langage pour ça. Mais j'ai pas du tout de... c'est pas mon seul mode de communication. Je me sers de la pensée, oui. Et je me sers de la structure du langage, je me sers de la communication verbale pour échanger. Mais je ne suis pas dupe des manquements que ça représente et je suis surtout pas... Enfin, je suis en recherche de beaucoup d'autres modes de communication et puis d'autres formes de sensations. Je ne suis pas un cérébral. Quand on est sur scène, même au moment de l'écriture, c'est plus le cérébral qui est le... C'est pas le cérébral qui est le levier principal. Non, ça se passe encore ailleurs. C'est... Le cérébral pur, pour moi, c'est comme de marcher à cloche-pied. Il manque d'autres dimensions humaines. Et moi, j'essaye d'avoir ces dimensions humaines aussi, qui ne doivent pas tout à la pensée structurée et rationnelle. Je suis rationaliste, c'est le côté français, mais j'ai vraiment pas que ça. Et je supporte pas le rationalisme dictatorial, c'est-à-dire qui ne veut plus croire qu'en ça. Je supporte pas le cérébral pur, je supporte pas le rationnel pur, comme je supporte pas le contraire. Des fois, je bloque tout en moi, et puis je laisse passer un peu, pour essayer de se mettre dans les conditions d'une réceptivité qui ne doivent plus à la surinformation, qui ne doivent plus à la demande, mais qui doivent à ce que toi, tu dois trouver en toi où est-ce que tu dois aller. Mais j'ai pas de méthode, hein, mais j'ai aucune méthode, hein, d'ailleurs. Mais quand même, ça passe par des phases comme ça, ouais. Des phases de tabula rasa. J'écris finalement que pour Noir Désir. Je donne jamais rien à autre chose. Ou quasiment jamais rien. Parce que je trouve que c'est encore là que c'est le mieux. C'est là que c'est bien, quoi, avec mes potes. Thank you.